Et bonjour à tous et à toutes, c'est Wikno705 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne WiknoPPF. Et aujourd'hui je vais débuter, comme vous l'avez vu dans le titre, un let's play sur Bioink parce que ce jeu me passionne vraiment. Donc on a joué le jeu bande-annonce, hein, c'est le menu comme d'habitude. Après hop, vous pouvez remarquer que j'ai un cadrage. J'ai mes deux mains. Avec beaucoup de lag, mais j'ai mes deux mains et en chargement de jeu, mais on va débuter une autre partie. Donc, moi j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. J'espère aussi que vous avez apprécié mes derniers épisodes sur Je Teste pour vous. Allez les liker, allez les voir, allez les commenter, hein, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi. Donc là, on a le menu comme d'habitude. Attendez. Hop, désolé, hein, j'en fais mon cadrage des dernières minutes. C'est juste pour que vous ayez une meilleure chose. Donc là, vous pouvez voir que j'ai une étoile, que j'ai débloqué ça, plus ça. Que là, j'ai deux étoiles. C'est normal, c'est parce que j'ai refait malsain en difficulté 2. 1-2. Après, il y a Hypochondriaque, je l'ai fait une fois en vidéo. Mais malheureusement, comme dans toutes mes vidéos, ça bug. Donc on va refaire Hypochondriaque en difficulté 1. Et pour la première fois, je vais renommer la maladie. Enfin, le patient. Qui s'appellera Valérie. Attendez. Valérian. Voilà. C'est un ami IRL. C'est Chakra, si vous voulez. C'est comme vous voulez, hein, appelez-le comme vous voulez. Donc tout de suite, on part pour une petite partie sur Bioink avec Hypochondriaque. Désolé, la colonne à côté, c'est pour ça. Donc, niveau 2. Parce que vous ne le voyez pas avec la luminosité. Parce que peut-être, pardon, que je peux essayer de la baisser pour vous montrer. Ah voilà, c'est mieux. Hypochondriaque. Valérien est anormalement anxieux et prudent sur son état de santé, ce qui affecte davantage son système nerveux. Il est, attendez, je regarde sur mon réveil, 22 h, une heure avant les dernières vidéos que j'ai. Non, on est quand même une ou deux semaines plus tard, je crois. Non, une semaine plus tard. Je l'ai tourné samedi et dimanche, et là on est le 21, je crois. Mon copain, le Bioink, ça se présente plus. Vous avez déjà vu des épisodes dessus. Et j'ai la flemme de refaire une présentation. Non, je rigole. Tac, je refaisais bien le cadrage. Hop, hein. Toujours la même phase. Au début, on prend tout ce qu'il y a. Enfin, on clique sur les systèmes qui sont là. Et après, on clique là, par exemple, digestif, tac. Bactéries niveau 2 qui rapporte plus de, je sais pas si vous voyez, est-ce que vous voyez, ah ouais, 14, 29 jours, 0%, 20, 30 jours maintenant. Donc, tac, hein. Après les gens, bon, je sais que vous êtes que 25 abonnés et que il n'y a pas beaucoup de gens qui forcément peuvent parler, ou alors qu'il y a des gens qui regardent des vidéos mais qui n'ont pas de compte. Mais si vous avez des comptes, proposez-moi des jeux, hein, c'est toujours intéressant. Et aussi, je pense peut-être, je dis bien peut-être, hein, parce que peut-être que ce sera trop dur à upload ou des trucs comme ça, faire des games de League of Legends, hein, un jeu très connu. Si vous ne le connaissez pas, même de nom, si vous êtes un petit peu peut-être un découvrant, hein, de jeux vidéo. Enfin, ceux qui découvrent. Donc, hop. Ah, j'ai eu un économe. Je sais pas si vous l'avez vu, le succès là tout en haut. J'ai eu le succès économe. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va bien le mettre mal en lui inculquant plusieurs facteurs comme la malbouffe, la vieillesse, la fumeur. Et voilà. Donc là, il est un petit peu dans la merde. Oh mince, désolé. J'ai oublié de les lire. Donc tac, facteur à risque.
Malnutrition. La malnutrition est la condition qui résulte d'une alimentation dans laquelle certains nutriments sont manquants en excès ou en excès, hein. Une absorption trop élevée ou dans des mauvaises proportions. Augmente les dommages des maladies activées pour les systèmes suivants: digestif 10%, rénal 10%, squelettique 10%. Plus de 60 ans, c'est celui-là. Je viens de lire celui-là. Plus de 60 ans, hop, une personne qui a plus de 60 ans augmente les dommages des maladies activées pour les systèmes suivants: circulatoire 10%, digestif 10%. En gros, c'est tous les systèmes plus 10%. Et hop, fumeur, le tabagisme, qui est là. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde, ce qui fait un enjeu majeur. Ce qui en fait un enjeu majeur de santé publique. Augmente les dommages des maladies activées pour les systèmes suivants: circulatoire 10%, respiratoire 25%. Autant vous dire que le mec va se faire one shot quand je vais avoir l'amélioration cancer du poumon. Donc il sera un petit peu dans la merde. Donc, oui, je disais, s'il y en a qui ont le courage, enfin, je dis le courage, mais. C'est comme vous voulez, hein, vous commentez pas. Vous pouvez même mettre des pouces rouges. Mais alors, si vous mettez des pouces rouges, que ce soit pas genre des trucs de hater, que ce soit genre. Vous mettez dans la description pourquoi. Par exemple, ça peut être pour le cadrage, pour comment je parle, ou des trucs comme ça. Hein. Mais alors, mettez pas juste des pouces rouges comme ça. Parce que déjà, ça nous. Moi, ça me fait de la peine déjà parce que j'ai des vidéos, c'est pas pour qu'elles se fassent dislike. Et je conçois bien sûr qu'elles se fassent dislike, mais qu'après on me justifie pourquoi. Parce que si c'est juste un hater qui arrive sur la chaîne, j'ai juste à le ban. Après, si vous n'avez pas mis une vidéo et que je vois que vous avez mis un pouce rouge, bon, je vous bannerai pas tout de suite, je vous enverrai un message privé pour vous demander pourquoi vous l'avez pas aimé. Si vous n'avez pas déjà mis un commentaire. Donc là, je vais activer cancer du poumon. Hein, on l'a déjà vu plein de fois dans les vidéos. C'est le truc à activer si vous voulez gagner un petit peu, quoi. Le cancer du poumon est un type de cancer qui commence dans les poumons. Les poumons sont deux organes spongieux dans la poitrine qui prennent de l'oxygène lorsqu'on inspire et libèrent du dioxyde de carbone lorsqu'on expire. J'ai pile assez, hein, en 24 points. Ah, encore une pub. Ah, oh, cette fois ça a changé, c'est Amazon. Hop, Amazon, cherchez. Et je l'ai déjà. C'est bizarre d'ailleurs qu'il me conseille un truc alors que je l'ai déjà. Oh, surpoids, facteur à risque, surpoids est activé. Valérian est désormais en surpoids. Et bah putain. Pardon. J'ai bougé mon téléphone. Parce qu'en fait, il est sur un dictionnaire pour faire le surélèvement. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus par-dessus. Tac, un, la 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 la. Re tout le monde, désolé, petite ellipse. Je fais souvent des ellipses, j'ai remarqué. Donc entre deux, il y a mon chat qui tape à la porte. Entre deux, Valérian, enfin, Valérian, le jeu a fait ça, hein, visite chez le médecin. En raison des symptômes qui empirent, Valérian va visiter le médecin. Le médecin étudiera ses symptômes pour traiter ses maladies. Oh, j'aimerais bien faire un truc juste pour un troll. Parce qu'en gros, le gars il est un petit peu dans la merde parce qu'il fume. Il est en malnutrition. Il a plus de 60 ans. Et après, je pense que je vais mettre qu'il travaille plus de 60 heures par semaine. Ce qui n'existe pas chez un humain normal. Surtout de 60 ans. Parce que déjà que l'âge de la retraite il a 63 ans. Si tu travailles 60 heures par semaine, la semaine tu dois être payé 1000 euros quoi. Même plus, 3000, un truc comme ça. Donc déjà, un bon 51% pour les organes respiratoires. Oh, il y a 8% de la guérison. C'est pas grave, j'ai juste à activer des trucs pour lui dire de baisser. Par exemple, tac, on développe déjà le mauvais médecin pour avoir comme. Ah non, du coup, je vous l'avais pas montré. Parce qu'en fait, vous voyez, il y a mauvais médecin
Et après, il y a celui-là et celui-là qui en fait réduisent de 10% la guérison. Du coup, c'est très pratique. Regardez, j'active mauvais médecin. Ce ne sont pas tous les médecins qui sont bons. Certains sont trop occupés et travaillent lentement. Donc après, l'amélioration à droite, en bas à droite. Mauvais diagnostic. Les médecins ont rendu un mauvais diagnostic. Résultat, une baisse de 10% dans la progression de guérison. C'est ça que je vous disais. Est-ce que j'aurais pas assez par hasard pour activer le facteur à risque? Ah non. Il me faut 8. 3 points? Non. Il manque un point là. 47%. Non, 46%. Non. Hop là, 8 points. 46% dans le respiratoire. Bourreau de travail. Tac, je l'active. Un bourreau de travail est une personne qui est accro au travail, augmente les dommages des maladies activées pour les systèmes suivants nerveux. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'aille plus dans les nerveux. Genre, pour celle-là, 4, on va essayer d'économiser. Remarque, c'est une bactérie à 3 points. Genre celle-là, plus une de 1 point. Attention, sur quoi ça va tomber? Squelette. Squelettique. Attention. Tac, nerveux. Hop, et là, on active 4, c'est le stress. Enfin, ça coûte 4 points. Et c'est le stress. Les symptômes de stress peuvent affecter la santé. Et ce, même en l'absence de symptômes. Je crois que c'est un tout petit peu amélioré partout. Ouais. Après, on a le stress chronique, que je pense que je vais améliorer. Aussi, il y a des améliorations qui sont très bonnes, hein, pour la guérison. C'est alors je sais pas si je vais réussir à bien le dire, hein. Vraiment désolé si je le dis mal. Nosocomophobie. En gros, ça veut dire que le patient a peur des hôpitaux. La nosocomophobie se définit comme la peur des hôpitaux et des cliniques. La victime sera moins encline à visiter le médecin. En gros, ça réduit l'hypochondriase. Enfin, je sais pas s'il y a un nom précis pour ça, mais. Oh tiens, il y a des preuves des poteaux. Parce qu'en fait, j'ai ma télé qui est à côté et il y a Koh-Lanta dessus. On est vendredi 21. J'ai déjà dit. Et ça fait 12 minutes de vidéo déjà. 38% respiratoire. Valérian, tu es dans le mal. Ah, le nerveux commence déjà à descendre, hein, parce que grâce aux 25% que ça affecte, ça lui fait bien mal quand même. 96% déjà. Tac. On est à 20% de la guérison. Faudrait que j'améliore des choses pour que ça réduise la guérison. 15 points. On va aller dans l'onglet guérison et activer pour 14 points. On le voit ici là. J'ai sélectionné lui bien sûr. Le mauvais diagnostic, je l'ai déjà lu, mais je le relis. Les médecins ont rendu un mauvais diagnostic, résultant en une baisse de 10% dans la progression de guérison. Et là, vous voyez, après, il y a erreur chirurgicale, c'est pareil, ça réduit 10% et c'est 18 que ça coûte. Tac, donc là, ça revient à 11, plus 1 parce qu'il y a. Rajoute quand même 1 pour pas que ça fasse trop bâtard. Oula, ça arrive du bien vite d'un coup. Bien, 99,7, 99,8, 99,7. Hop, on prend la bactérie. 99,8, 92,6, 24,2, 99,6. Voilà. J'ai réussi à tout lui. Je suis trop fort. Donc, 11 points. Qu'est-ce qu'on va aller activer? Pas des facteurs à risque? Ou peut-être que si. Déshydratation. Mon chat qui vient de taper une porte, encore une fois. Mon chat est très intelligent. Moi qui n'a que 2 mois. Pardonnez. Ah, peut-être que si je peux le prendre, j'apprends à 20. On va économiser un pour l'ostéo repose. Si je l'ai bien dit, hein. Désolé pour ceux qui font
des études de médecine. Hein. Si déjà il y en a qui font des études de médecine. Hop. Prends les petits points. Valérien a mal. Son cerveau il est bien. Il est bien dégueulasse. Salle d'urgence. Le jeu mobilise quelque chose parce qu'il y a quelque chose. Il y a un système qui est passé à moins de 18%, je crois. Ou 20%. Valérian a été admis à la salle d'urgence dans un état critique. Les médecins intensifient actuellement leurs efforts pour sauver Valérian. Et là, je sais ce qu'on va faire. On va aller dans l'onglet guérison et on va faire infirmière en grève. Ça coûte 12. Lorsque des infirmières sont en grève, les traitements sont difficiles d'accès et la progression de la convalescence cesse pendant quelques semaines. Tac, on l'active. Ah, j'ai eu un opportuniste. C'est un succès, hein. Tac, on va aller dans les facteurs à risque, peut-être pour essayer de trouver quelque chose qu'on peut utiliser. Hérédité, ouais. Mais le mieux, je pense que ce serait alcoolisme ou déshydratation. Du coup, on va essayer de le prendre. Hop. On a assez pour alcoolisme tout de suite. C'est là, après avoir amélioré un des deux, ou les deux, je sais plus. Alcoolisme. L'alcoolisme est une maladie chronique et progressive qui occasionne des difficultés à contrôler sa consommation d'alcool, augmente les dommages des maladies activées pour les systèmes suivants, digestif, rénal. Donc pour le rénal, on a un tout petit peu, et pour le digestif, on a un tout petit peu aussi. Réussite déverrouillée, c'est un succès, hein. Ivrogne. C'est bizarre hein, quand même, je débloque que des succès comme ça. Donc 14% du système respiratoire, 13% maintenant, 88%, 87% pour le système nerveux. Là, je pense que je vais améliorer des choses dans le système musculaire bientôt. On est déjà à 208 jours, 24%, 25% maintenant de progression, de guérison. On sera à 38% maintenant, normalement, si j'avais pas fait l'amélioration. Comme moins, comme quoi, c'est bien. Tac. Rénal. Coma profond. Énorme blague de reprise, x2. Déjà faite dans la première vidéo. Hop. On a 20, je pense qu'on va pouvoir améliorer des choses dans le musculaire. Qu'est-ce qu'il faut ça? Malchanceux, hérédité. Dystrophobie musculaire. Ok. Tac. Là, j'ai amélioré deux choses, hein, celle-là et celle-là. Donc j'oublie la première qui est là. Carence en potassium, la carence en potassium, hypokaliémie, se réfère au niveau de potassium dans le sang moins élevé que le niveau normal. Le potassium est un composé chimique électrolyte essentiel au bon fonctionnement des cellules nerveuses et des muscles, en particulier pour les cellules des muscles du cœur. Et là, je lis la deuxième. Douleur musculaire chronique. Presque tout le monde souffre parfois de douleurs et de muscles endoloris. Les douleurs musculaires, myalgies, peuvent varier de légères à atroces. Ah, 0,3, 0,1. Voilà, défaillance. Défaillance des systèmes. Le système de Valérian se détériore. Accélération des dommages en mythe. En mettant fin à d'autres systèmes. Voilà. Voilà, hein. Tout de suite, ça passe tout en orange. On voit que ça va beaucoup plus vite. Ça descend presque par 1% à chaque fois. 91, 90, 89. Placebo. Tiens, ça a débloqué quelque chose tout seul. Placebo, élément de guérison activé. Valérian consomme désormais des placebos. On va aller lire la description. Même si je ne l'ai pas acheté,
C'est mieux que je lise la description. Comme ça, vous le saurez quand même, même si je l'active pas. Des médecins, non, des médicaments d'ordonnance sont remplacés par des placebos inactifs, inefficaces. Peut-être que je vais prendre le chirurgien, j'ai économisé, je pense. Peut-être trouver une maladie pas chère dans le système rénal. Ah bah voilà, des nausées. Ah, il paye. Ah si. Le mec vient de vomir. Tac. On vient, vous voyez que ça s'accélère bien. Ses poumons sont bien noirs, hein. On le voit par rapport au début de la vidéo. Tac. Bactéries. Batterie. Tout à fait, hein. Ça produit de l'électricité. En plus, c'est vrai, le corps produit de l'électricité, hein. Et on voit tout au long de la partie les systèmes qui se détériorent. Par exemple, là, le cerveau qui devient bien dégueulasse, les veines qui deviennent noires, le système rénal qui a des choses qui se développent dessus, le système respiratoire qui devient noir, le système musculaire qui devient avec plein de trous où on voit tous les tissus, tout bien dégueu, le système rénal qui a des choses, le squelette qui devient noir, le système digestif. Ah oui, d'ailleurs, ne mangez pas devant ma vidéo. Je pense que je vais mettre dans la description au cas où, pour ceux qui disent d'avoir la description avant la vidéo. J'aurais dû un petit peu le son pour le bip bip incessant, qui est un petit peu chiant. Donc là, on a tout qui est prêt de casser. Du coup, je vais améliorer des trucs qui améliorent tout en même temps. Tac, on va même faire pour le pimp. Erreur de chirurgie, le chirurgien a fait une erreur critique dans la salle d'opération. Les progrès de la guérison seront réduits de 10% uniquement si la victime est dans une salle d'urgence. Donc ça, en fait, c'est à utiliser quand après qu'on sache, enfin que le patient aille en salle d'urgence. Mais mauvais médecin 2. C'est quoi ça? Placebo 2, tous les médicaments sont désormais toxiques. Ah oui! Ah, la bonne chose. Ah, ça, c'est quoi? Toxicomane. Ah ouais, ça devient hardcore hein, vers la fin du jeu, en fait. Donc là, on a 17%. Oula, double bactérie sur le même truc, quoi. Au calme. On savait que c'était des deux. Ça aurait été des trois. Là, le meilleur, il est à 11%. Ah, tac, tac, tac. Tac. Système circulatoire, et voilà, là il est mort. Et voilà, on a réussi ce niveau. Vous avez gagné niveau 2, hypochondriaque. Valérian est décédé en 287 jours. Et ben Valérian, dis donc, tu sais combien de jours il te reste à vivre? Bien sûr, je rigole, hein. C'est un ami. Je ferai pas ça avec des gens que j'aime pas. Ça me plairait pas qu'on le fasse, du coup, je le fais pas. Date du décès 4 septembre 2015. Ah ouais, quand même. Il a encore une année. 22h21, 43 secondes. Et moi, il est 22h24. À mon réveil. Cause du décès, cancer du poumon. Ouais, c'est la première maladie que j'ai activée et qui était la plus grave. Donc, on a gagné 184 Viewpoint en tout dans la partie. Oula. Je viens de voir une pub où il y avait Black M. Ça faisait peur. Donc, en 287 jours, c'est déjà dit, 71% de récupération. Et notre note, elle est de 1784. Voilà, donc on a une étoile. Hein. Ouais, tout à fait. Mais oui, mais oui. Je tiens juste à dire que je ne suis pas rémunéré pour ces pubs. Allez, ferme-toi. Oh, le truc qui voulait pas se fermer.
Voilà les gens, moi j'espère que cette vidéo en ma compagnie vous a plu. C'était le premier épisode de, enfin le premier épisode du Let's Play sur BioInk. Donc il ne me semble pas nécessaire de refaire Malsain avec vous. On l'a déjà fait dans la découverte. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Hypochondriaque, je pense que je le ferai au deuxième niveau hors caméra. Je ferai souvent ça d'ailleurs. Je ferai les niveaux. Enfin, je ferai les niveaux au deuxième niveau dans chaque vidéo. Pour par exemple, hypochondriaque. Non, je vais pas relancer le niveau 2. Pour par exemple, avoir une étoile en plus et pouvoir débloquer ça sans avoir. Non, plus tard. Sans avoir un stable. Enfin, sans avoir besoin de faire un stable pour gagner minimum une étoile. Donc voilà, moi je vais faire le niveau hypochondriaque niveau 2. Donc là, on s'en fout, on va mettre John Smith et modéré. Et moi en tout cas les gens, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et aussi à laisser un commentaire pour déjà aller sur les vidéos de je teste pour vous, pour me conseiller des jeux. Maintenant que j'ai deux mains qui sont libres, que j'ai un cadrage, et ben je peux faire des jeux qui sont à deux mains, genre comme ça, par exemple avec des joysticks. D'ailleurs, je pense que je vous ferai des jeux, que je vous ferai découvrir des applications, sûrement si vous les connaissez pas, qui sont très bien. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. C'était Wigno 705. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.